Good morning, allez, Iden les Yusra aujourd'hui, les Lonishmat, Avam Chayin Orber Ben Fortuné Mazal, Dov Ben Yehudit, Micha Machlouf Ben Masouda, Nachman Yosef Ben Nachum, Yoakov Nissim Ben Chana. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Mesechet Mela, Perigimel, Mishnah Hey. Chalev Amukdashin ou Beitze Torin, Lo Nehenin, Velo Moalin. Bamedvarim Amorim, Bekodche Mizbeach. Abel Bekodche Bedek Abait. Idishtan et Golet Moalin Ba ou Bebeitzata, Chamor Moalin Ba ou Ba Chalava. Mishnah relativement simple, mais qu'il va falloir un peu pousser et comparer avec la prochaine Mishnah. On commence par traduire. Chalev Amukdashin, le lait des animaux sanctifiés, d'accord, de tout ce qui est Kodesh. Donc il y avait par exemple une Kisba, Seira, une brebis ou une chèvre femelle. Et elle nous a donné du lait. Ou encore Beitze Torin. On peut aussi, au Beit HaMikdash, offrir des Torim, des tourterelles. Eh bien, ils ont pondu des œufs. Qu'est-ce qu'on fait avec ces œufs? Ou qu'est-ce qu'on fait avec ce lait? Est-ce qu'il y a un interdit de Meila ou non? La Mishnah m'enseigne Lo Nehenin Velo Moalin. Ni on a le droit d'en tirer profit. Midera Banan. Non, Lo Nehenin Midoraita, il rapporte le Tifat Israël ici. Interdit de tirer profit Midoraita. Mais malgré tout, Lo Moalin, il n'y a pas d'interdit de Meila. Étant donné que ce ne sont pas des choses qui sont prévues pour monter sur le misbéach. Mais attention, Bamedvarim Amorim, dans quel cas on te dit qu'il n'y a pas d'interdit de Meila, Bekodche misbéach, pour ce que tu as sanctifié pour offrir sur le misbéach, Aval Bekodche Bedek Abait, par contre ce que tu as sanctifié pour la trésorerie du Bet Amikdash, alors, Higdish Tarnegolet Moalinba ou Bebetsata, s'il a sanctifié une poule, il y aura un interdit de Meïla sur elle comme sur ses œufs. Chamor, si c'était un âne, ou plutôt une ânesse, eh bien, Moalinba ou Bachalava, en transgressant l'interdit de Meïla sur elle et même sur son lait. C'est-à-dire, grossièrement tout d'abord, la Mishnah semble nous distinguer ce qu'on appelle les Kodshe Misbeach et ce qu'on appelle les Kodshe Bedekabait. Quand on sanctifie quelque chose au Beit HaMikdash, alors il peut y avoir deux adresses. Soit en direction de la Zara, de ce qu'on va offrir en Korban, ce qu'on appelle les Kodshe Misbeach, soit plutôt en direction de la caisse du Beit HaMikdash pour l'entretien de la ville, toutes sortes d'entretiens, d'accord, ce qu'on appelle les Kodshe Bedek Habayit. Le Bedek Habayit, c'est la trésorerie. Donc ce qu'on a sanctifié pour le Bedek Habayit. Donc la Mishnah me semble me dire quelque chose, une différence assez nette, qui est très vraie. Le problème, c'est que c'est pas exact, c'est que la limite est un peu plus nuancée. Pour le moment, la Mishnah me dit, ce que tu as sanctifié pour le misbéach, alors, quand tu sanctifies une vache, une brebis, pour quel que soit le corban, eh bien, tu dois apporter elle au Beit HaMikdash, mais pas son lait. De ce fait, elle, il y a un interdit de Meïla, mais son lait, il n'y a pas d'interdit de Meïla. Tandis que lorsque tu sanctifies quelque chose pour le Bedek Habayit, pour la trésorerie du Beit HaMikdash, alors ça devient cette fois-ci une vraie valeur monétaire. Donc dans ce cas-là, tout ce qui vaut de l'argent, qui appartient à la trésorerie du Beit HaMikdash, si tu l'utilises, il y aura un interdit de Meïla. Même si c'est juste un œuf, l'œuf, le gizbar, le trésorier du Beit HaMikdash, peut décider de le vendre et gagner 2 shekels pour le Beit HaMikdash, pourquoi pas s'il veut. Et donc dans ce cas-là, c'est un bien qui appartient au Beit HaMikdash, tu n'as pas le droit d'en tirer profit. Voilà ce que la Mishnah me dit, et c'est vrai. Il n'y a pas de problème en soi-même, sauf que c'est pas. Il y a quelque chose de plus enfin, entre les deux. C'est que le Bartanora rallonge ici pour expliquer. Il y a deux points à voir. Tout d'abord, le Bartanora rallonge ici pour expliquer qu'en réalité, on n'est pas obligé de dire qu'on sanctifie pour le Misbéach ou sanctifie pour le Bedek Habayit. Il y a encore une éventualité de sanctifier une valeur pour le Misbéach. Je m'explique, c'est que je dois apporter un corban. Pour le moment, je n'ai pas encore sanctifié l'animal. Mais il y a une solution, il y a une éventualité, que je vais sanctifier un âne en disant que de cet âne, je tirerai la valeur, je vendrai cet âne pour pouvoir me payer mon corban que je dois porter. Et dans ce cas-là, j'ai fait une valeur monétaire pour le misbéach. Ouais, vous avez compris? C'est pas que je fais un don à la trésorerie du Beit HaMikdash, je fais un don en direction du misbéach. Mais ce n'est pas que je donne l'objet au Beit HaMikdash, au Misbéach, mais que plutôt il est sanctifié pour sa valeur. Et dans ce cas-là, de nouveau, puisqu'il est sanctifié pour sa valeur, eh bien dans ce cas-là, même un œuf ou même du lait qui a une valeur, il y aura une gdoucha
de Gdushat Mizbeach, Gdushat Damim les Mizbeach. Ça, c'était le premier point. D'accord? Maintenant, il explique qu'en fait, il faut lire la Mishnah. Bamedva Amorim, dans ce qui est Gdushat Agouf. Mais ce qui est Gdushat Damim la Mizbeach, Naasa Kemi, c'est devenu comme si c'était Kotche Bedakabeit. D'accord? C'est le partenaire qui rallonge. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point aussi qu'il faut éclaircir, c'est qu'il s'avère, tel que c'est écrit dans notre Mishnah, que si je sanctifie pour la trésorerie du Beth Amikdash, par exemple, je sanctifie une poule, eh bien, si cette poule va pondre un œuf, il y aura une gdoucha dans l'œuf. Comme ça, il semble être écrit. Le problème, c'est que ça contredit la Mishnah, la prochaine Mishnah. Et comme la prochaine Mishnah va être longue, alors je préfère vous le dire tout de suite, comme ça on consacre 2 petites minutes sur ça, et puis demain, ça nous permettra d'aller plus vite. Il y a, en réalité, on va découvrir qu'il y a une marloquette essentielle entre les Tanaïm, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ou Rabbi aussi, on aura qu'à 2 avis, que est-ce que lorsque je sanctifie une poule vide, qui n'a pas encore d'œuf en elle, et qu'après elle va féconder un œuf et puis elle va le pondre, est-ce que cet œuf, il y aura une gdoucha? Est-ce que je transgresse l'interdit de Mehila sur, même pour la trésorerie du Beth Amikdash, je transgresse l'interdit de Mehila sur ce que j'ai sanctifié uniquement, ce qui était là au moment où j'ai sanctifié, ou même sur les pérotes, sur les fruits, ce qui va fructifier du bien qui appartient à la trésorerie, est-ce qu'il y aura aussi un interdit de Mehila? Il y a une discussion sur ça. Et concrètement, on retiendra l'avis qui va. Bon, après on verra exactement pour la halakha qu'est-ce qu'on va faire. Mais du coup, suite à cela. Par rapport à cette discussion, en fait, le Gaon de Vilna, notamment ici, il a tendance à expliquer en fait que la Mishnah nous parle qu'il a sanctifié une vache qui avait déjà du lait, ou une poule qui avait déjà un œuf en elle. Et dans ce cas-là, dans un cas pareil, l'œuf, il est devenu kadosh, pour résoudre en fait tous les avis. Et voilà quoi, d'accord, c'était technique. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.